Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes deux dernières lectures qui sont tous les deux des livres de Mathias Malzieu, puisqu'il s'agit de Journal d'un vampire en pyjama et de La mécanique du cœur. Je vais commencer par vous parler de Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu, donc, qui a été édité aux éditions Albin Michel en janvier 2016. Alors moi, Mathias Malzieu, je le connaissais surtout en tant que chanteur de Dionysos et beaucoup moins en tant qu'auteur. Et dernièrement, quand j'ai entendu parler de Journal d'un vampire en pyjama, j'ai eu envie de découvrir sa plume. Et waouh, je suis vraiment tombée sous le charme du style d'écriture de Mathias Malzieu, qui est tout en poésie, tout en finesse, enfin un vrai bijou, ça a été une révélation pour moi. Alors en ce qui concerne Journal d'un vampire en pyjama, c'est une autobiographie, puisque Mathias Malzieu est tombé malade fin 2013 et il nous livre son combat contre cette maladie. Alors qu'il est en tournage sur le clip de la bande originale du film Jack et la mécanique du cœur et qu'il va être amené à faire la promotion de ce film, Mathias Malzieu ressent une grande fatigue. Alors d'abord, bien sûr, il met cette fatigue sur le compte du stress, du surmenage, mais très vite il va se rendre compte que c'est pas possible, qu'il est très essoufflé, que ça va plus, qu'il peut plus continuer comme ça. Et il décide d'aller faire des examens, une simple prise de sang pour voir ce qui se passe. Et là, le verdict tombe, il est très anémique et très vite va être diagnostiqué une aplasie médullaire. Alors qu'est-ce qu'une aplasie médullaire? Il nous l'explique très bien dans le livre. C'est un dysfonctionnement de la moelle osseuse. Donc la moelle osseuse, c'est ce qui produit les globules rouges, donc qui nous permettent d'avoir de l'oxygène dans le sang, de transporter l'oxygène. Les globules blancs qui nous permettent d'avoir une bonne immunité, de nous protéger contre tout ce qui est virus et microbes, et aussi les plaquettes donc, qui nous permettent que le sang coagule. Mathias, en étant en aplasie médullaire, est en danger de mort. Alors les médecins vont lui dire que le seul traitement pour le sauver va être la greffe. Et qui dit greffe de moelle osseuse dit aussi chambre stérile, puisqu'il va devoir subir des chimiothérapies. Le diagnostic a beau être terrible, on sent tout de suite que Mathias va se battre. Et comme il dit si bien dans le livre, il va devenir son auto-super-héros, c'est-à-dire qu'il va vraiment devoir déployer toute son énergie pour se battre contre cette maladie. Alors c'est vrai que la difficulté avec le témoignage d'un tel drame, c'est de ne pas tomber dans le pathos, dans quelque chose de lourd, qui fait pleurer, etc. Et c'est ce que j'avais un petit peu peur. Sauf que Mathias Malzieu n'est pas un malade comme les autres. C'est avant tout un artiste et un créateur de génie. Et son imaginaire va finalement le sauver de cette maladie. Il arrive à nous transmettre son histoire d'une façon poétique et tellement humoristique. Enfin, il y a des passages qui sont drôles, mais par contre, il ne nous protège pas du tout de la dureté de la maladie, de la dureté de la réalité, hein. Il nous décrit très bien ce qu'est son quotidien, tous les détails de sa maladie, mais c'est pas pour ça que ça prend une tournure dramatique. Alors ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il nous raconte la relation que son entourage a par rapport à sa maladie. Alors bien sûr, c'est pas toujours facile pour les amis, les proches, la famille. Et ce qu'il explique très bien en fait, c'est que cette fatalité va agir comme un filtre sur son entourage. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont lâches. Ceux qui ont peur et ceux aussi ben, qui le laissent tomber parce que tout simplement ils ne voient pas de futur avec lui, qu'il l'enterre déjà finalement. Mais ce qu'il y a de beau, c'est aussi ceux qui restent et surtout ceux qui restent, c'est-à-dire que ben, il y a sa famille proche déjà, son père, sa sœur, mais il y a aussi et surtout son amoureuse Rosie qui est là à côté de lui, qui le soutient jour après jour. Qui ne flanche pas. Et c'est vrai que ce livre, c'est une belle déclaration d'amour à Rosie qui est restée là tous les jours à côté de lui. Ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est la plume de Mathias Malzieu
qui est un magicien poète qui jongle avec les mots d'une manière fantastique. Comme dit, son imaginaire et sa force créatrice sont les seules armes qu'il a pour se battre contre cette maladie qui l'affaiblit physiquement tous les jours. Et donc lui, pour combattre, il décide d'écrire des chansons, d'écrire ce livre, le journal d'un vampire en pyjama. Par exemple, pour vous donner des métaphores qu'il utilise tout au long du livre et que j'ai trouvé extrêmement belles. Donc il personnifie la fatalité, il a besoin de lui donner un nom, un visage, et cette personne, ça va être Dame Oclès. Donc cette Dame Oclès va le suivre tout au long de ce cheminement, et le fait qu'elle devienne une personne dans son imaginaire, ça rend la mort encore plus palpable et il va pouvoir encore plus combattre cette fatalité. Parce qu'il y a des vraies scènes de combat entre lui et Damoclès, puisqu'il a envie de continuer à vivre et elle est toujours dessus son épaule à lui dire attention, tu sais ce qui va t'arriver, de toute façon c'est pas la peine de te battre, arrête tout de suite, ça sert à rien. Voilà, donc c'est ce que je dis depuis le début. Les situations dramatiques où on devrait pleurer en telles circonstances, ça devient presque comique. C'est l'une des nombreuses métaphores qui m'ont fait sourire. Il y a aussi, par exemple, les pompes funèbres. Il dit que quand il était petit, pour lui, les pompes funèbres, c'était des magasins de chaussures pour morts. Il y a aussi le fait qu'il se fait soigner par les nains infirmières. C'est une façon de leur rendre hommage à ces personnes qui sont mi-divinités, mi-soignantes. C'est vrai qu'il rend beaucoup hommage au personnel médical dans ce livre. Ils lui ont quand même sauvé la vie et ils ont été fantastiques. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce livre qui est vraiment un témoignage poignant qui nous fait passer du rire aux larmes. La plume de Mathias Mazieu est géniale et pleine de poésie. Et vu que j'ai tellement adoré justement cette écriture, quand j'ai refermé le livre, j'étais tellement triste. Je ne me voyais pas en fait enchaîner sur un autre bouquin qui n'avait rien à voir. Donc j'ai décidé de lire son roman précédent qui est La mécanique du cœur. Donc La mécanique du cœur, c'est un conte où on va suivre les aventures de Jack. Jack est un petit garçon fragile, il est né à Édimbourg en 1874, le jour le plus froid du monde, et son cœur a gelé. Pour le sauver, la sage-femme lui a greffé une horloge à la place du cœur. En grandissant, Jack reste très vulnérable puisque la mécanique de son cœur est très fragile. Et la sage-femme qui l'a mis au monde, donc qui est aussi sa mère adoptive, va beaucoup le couver. Elle va vouloir le protéger du monde extérieur. Mais pour ses 10 ans, Jack a un vœu, c'est d'aller en ville voir le monde tel qu'il est. Et là, quelle surprise, en découvrant ce monde, il va aussi tomber follement amoureux d'une petite chanteuse et danseuse de flamenco. Mais le problème, c'est que Madeleine l'a bien mis en garde, c'est-à-dire que pour survivre, il doit respecter absolument trois règles. Donc la première de ces règles, c'est de ne jamais toucher à ses aiguilles. La deuxième, c'est de ne jamais se mettre en colère. Et surtout, la troisième, c'est de ne jamais tomber amoureux. Mais voilà, ses sentiments sont plus forts que sa raison. Et depuis le jour où il a vu sa petite danseuse de flamenco, son seul rêve, c'est de la retrouver. On va suivre Jack pendant de nombreuses années, qui va tout faire pour retrouver sa belle et lui avouer ses sentiments. Encore une fois, j'ai adoré La plume de Mathias Malzieu et l'univers qu'il a créé un peu à la Tim Burton. Cet univers un peu sombre, un peu froid, mais en même temps rempli d'humanité. La poésie qui ressort de ce conte rend l'histoire très belle, mais aussi plein de mélancolie. Mais ce côté mélancolique et un peu sombre est réchauffé par la pureté des sentiments que Jack éprouve, par l'amour qui l'entoure et qu'il ressent pour sa belle petite danseuse de flamenco. Alors je me suis beaucoup attachée au personnage de Jack et pendant tout le récit, j'ai eu envie de le protéger comme un petit frère parce que c'est vrai qu'on a peur que l'amour qu'il ressent pour cette petite danseuse de flamenco, donc qui s'appelle Miss Acacia, ne finisse par le détruire.
Surtout que Miss Acacia est un personnage un peu ambigu et qu'on a du mal parfois à comprendre ses réactions envers Jack. Miss Acacia, c'est un personnage vraiment spécial, enfin un peu comme tous les personnages de ce conte, mais avec un côté un peu difficile à cerner. Et ben, j'avais vraiment envie de protéger Jack par rapport à elle. Voilà, donc pour conclure, La mécanique du cœur, c'est un conte très poétique, mais à la fois complètement déjanté, qui explore très bien les méandres de l'amour. Alors, comme si j'avais pas eu assez de Mathias Malzieu, dès que j'ai refermé ce livre, et j'ai continué en fait en regardant le film tiré de ce conte qui est Jack et la mécanique du cœur. Et j'ai vraiment adoré cette adaptation qui est pour moi ben, très fidèle bien sûr à l'univers du livre. Et les images d'animation m'ont beaucoup beaucoup plu. La bande originale du film interprétée par Dionysos apporte vraiment un plus à l'histoire. J'ai adoré l'univers et je me suis complètement laissée emporter par les images. Voilà pour mon avis sur ces deux livres. Si vous ne connaissez pas encore Mathias Malzieu, ben, je vous encourage beaucoup à découvrir son univers. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!